Yo, salut tout le monde, c'est Camille pour l'épisode numéro 7 de Final Fantasy 7. Là, je suis Cloud de petite fille. Je cherchais mes touches, moi. Il est 16h59 et on est le 6 mars. Donc, en gros, ouais, 2 jours avant, comme d'hab, je tourne le jeudi. Oui, je souvent. Le jeudi pour le samedi. Donc là, on a été transformé en petite fille. Je sais pas si vous vous souvenez, donc on s'était promené un petit peu en petite fille, enfin en fille, quoi. Je sais pas si vous vous souvenez de l'épisode précédent, on devait aller chercher justement des vêtements, donc on a dû aller plusieurs fois dans le bar, le restaurant, machin, pour récupérer un peu tout le monde. Et là, nous allons rentrer dans le bâtiment chez Don, quoi. Le Don, voilà. Je sais plus comment il s'appelle, Don, machin. Zut, ton ami est drôle aussi. Entrez, entrez! Deux femmes, deux! Ouais, forcément. Mais dis donc, je suis assez mignonne. Hey, mesdames! Je vais prévenir Don que vous êtes là. Attendez ici et ne bougez pas. Ouais, en fait, on connaît pas son nom, c'est juste qu'il s'appelle Don, quoi. Pour ça que je savais pas qu'il s'appelait Don, quoi. Voilà notre chance! Trouve Antifa! Bon, Oula, raté. Fermé. Ah bon, va être là. Et oh, elle est là. Je me cache évidemment. Ah, Iris, elle envoie du pâté quand même. Ah, Tifa aussi, hein. Tifa? Quelle joie de te rencontrer, je suis Iris. Cloud m'a beaucoup parlé de toi. Et tu es? Eh, tu n'es pas la personne qui était avec Cloud dans le parc? Tu es la personne qui était avec Cloud dans le parc? Oui, avec Cloud. Oh. Ne t'inquiète pas, nous venons juste de nous rencontrer, c'est tout. Ah, jalouse. Comment, ne t'inquiète pas? De quoi? Non, ne te méprends pas. Cloud et moi avons grandi ensemble, rien de plus. Pauvre Cloud. Être là et les écouter, rien de plus. Ça va, Cloud? Cloud? Cloud! Non! Est-ce que je peux pas aller prendre le popo avant? Oui. Hop, on va s'en bien. Ouais. Cloud? Pourquoi es-tu habillé comme ça et que fais-tu ici? Oublie ça. Qu'est-ce qui est arrivé après ta chute? Que t'est-il arrivé après ta chute? Tu t'es fait mal? Ah oui, c'est vrai! Elle nous a laissé, on était en train de tomber. Et on s'est retrouvé justement dans les taudis chez Iris. Eh, hey, laisse-moi une chance de répondre. Laisse-moi une chance de répondre. Je suis habillée comme ça parce que c'était la seule manière d'entrer ici. Je vais bien, Iris m'a aidé. Oh, Iris, ça fait ça? Tifa, explique-moi. Que fais-tu dans un endroit comme celui-ci? Ouais. Oh. Je me boucherai les oreilles. Oh, je me boucherai les oreilles. Elle est bien, cette petite Iris. Oh, putain, par contre. Là, la taille des oreilles, des mains. Donc, pauvres oreilles. Ça me fait plaisir que tu ailles bien. Merci. Que s'est-il passé? À notre retour du réacteur numéro 5, nous avons rencontré cet homme étrange. Alors Barrett l'a attrapé et il lui a soutiré quelques informations. C'est alors que le nom de Don est venu sur le tapis. Eh oui, Don Corneo. Barrett m'a demandé de laisser ce pervers seul. Ouais. Mais quelque chose m'inquiète. Je vois. Tu voulais entendre toute l'histoire de la bouche de Cornéo? Alors je l'ai fait, et maintenant je suis dans le pétrin. Cornéo cherche une femme. Je vais essayer de prendre les voix de Tifa quand même, et de Cloud pour différencier quand même. Tous les jours, il voit trois filles. Il en choisit une, et alors? Eh ben. De toute façon, il faut que ce soit. Que je sois cette fille, sinon je m'en vais. Oh putain, c'est chaud de faire deux femmes différentes en fait. Pardon, mais j'ai tout entendu. Si les trois filles sont dans le coup, il n'y aura pas de problème. Je suppose, mais nous en avons deux là, non? Non, Iris, je ne veux pas que tu t'en mêles. Ah, alors tu penses que c'est bien que Tifa soit en danger? Non, je ne veux pas que Tifa soit. C'est compris? J'ai grandi dans les taudis, j'ai l'habitude du danger.
Ouais, je sais pas faire les voix de filles, donc elle aura automatiquement une voix de gourde, hein, c'est moche. Tu me crois? Mille merci! Merci! Mille, mademoiselle. Merci mille! Raté. Merci, mademoiselle Iris. Appelle-moi Iris. Hé! Je sais pas où c'est. Hé! C'est l'heure, mesdames, Donatan! Donatan. Bonjour, on m'appelle Donatan. Pardon. Je t'avais dit de pas traîner dans le coin. Ah, les femmes de nos jours. Dépêche-toi, allez. Je sais pas qui parle en fait. Je devrais peut-être pas te le demander, mais l'autre fille, c'est. Moi, n'est-ce pas? Tu as raison, tu ne devrais pas. Le demander. Ok, bon, bah j'y vais. Allez, les filles! Eh ben écoute, les filles, j'ai peut-être quelque chose pour pas toi, Eris, désolé. Tifa, j'en ai pas. Et ben voilà, j'ai ça, bijoux de ferme, moi j'ai pas mieux. J'ai pas de matériel de toute façon. Ok. Pardon, raté le bouton. Ah. Donatan dans sa chambre. Ah, c'est comment on se place? Non. Non. Bon, d'accord. Ah, voilà. Je suis obligé de toucher avec le clé. D'accord, j'arrive pas non plus. Très bien, mesdames. Alignez-vous en face de Don. Oh, ça va être moi qui vais choisir. Je suis trop bonne en fait. Ah, vous êtes superbe. Maintenant, voyons voir quelle fille vais-je choisir. Celle-ci? Bah oui, c'est ma plus belle. Ouh, celle-là. Ouais, je te fais kiffer à vous. Hein. Un peu prude en plus. Ah bah ouais. Oh, t'as vu, j'ai décidé. Je vais prendre ce soir. Ta 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 ta. Ah putain. Cette jeune fille fluette. Ah, oh, fais chier, j'ai foiré. Bah, en même temps, c'est la plus belle. Là, du coup, la robe est rock du poney. Ah, oh, y'a Tifa, c'est chaud quand même aussi. Don, tu as très bon goût. Je vous laisse les autres. Oui, merci. Putain, c'était quoi? Très bien, non. Très bien. Je m'en souviens plus. merde, c'était quoi la voix? Alors, on y va. Mais joli. Je fais trop de voix, c'est chaud, c'est chaud. On y va, ma jolie. Bon. Ils font pas par pas, par contre. Dun, dun, dun. Hey, les gars, nous avons la compagnie. Nous prendrons vraiment soin de toi. Tout ceci est dû à la gentillesse de ce grand homme, Don Corneo. Hey, à la santé de Don Corneo! Hey, très bien, mesdames, sommes-nous tous prêts? Je peux pas taper quelqu'un? Putain, pas si vite, rien de pareil. Pourquoi ne t'inquiète, ne reste-tu pas? Nous te traiterons bien. Y a pas quelque chose à piquer là? Polisson, canaille! On dit donc. Ils sont pas gentils, hein. Ah, que de Phoenix cool! C'est ça que je cherchais en fait. Je peux pas les taper. Oh, tes yeux, on dirait qu'ils brillent si tu t'attends, bébé! Y'a quoi la télé? On va pas courir en fait. Allez, bébé! Ouh, j'ai les fourmis dans les jambes, je vais danser, je vais saisir ma chance et puis te trouver l'amour! Ouais, pas si vite, rien de presse, machin, on l'a déjà dit tout à l'heure. Ok. Allez, danse avec moi, ma beauté! On dit que lorsque deux personnes dansent ensemble, leur cœur se soude alors.
Allez, bébé. Oh, elle a dit tout à l'heure. Eh, vous avez l'air en forme, tes cuisses sont un peu enflées. Non, ça ressemble plutôt à des muscles. Ah. Eh, vous avez l'air... Ça ressemble plutôt à des muscles, on a déjà dit ça. Ouais, mais toujours pareil, faut que j'aille voir qui. Eh, qu'est-ce qui ne va pas? Tu veux que je te tienne compagnie? Non. Cela me flatte, mais... cela me flatte, mais non merci. Parce que... Parce que... Parce que... Parce que... Les types comme toi ne m'intéressent pas. Oh! Un homme! Mon Dieu! Tu crois que tu peux t'en sortir comme ça? Saisissez-le! Et ne lui faites pas de cadeau! Bon bah... Oh, je l'ai défoncé. Ils sont trois. Allez. Non, ça va aller. 48. Oh, je suis d'accord. Pas besoin de magie. Je garde ma magie pour plus tard. Je l'ai OS. Suivant. Allez, les pégus. Bon, je suis loin du niveau. 30 giles. Allez, qu'est-ce qui ne va pas, Borien? Ça va maintenant. Viens, je vais te montrer comment faire. Bon, il devrait en rester qu'un seul normalement. Bon, là, la stratégie est assez rudimentaire. J'ai hyper mal à la gorge. Bon, je prendrai une potion peut-être à la fin des combats. Selon. Ouh, 50. Ouh. Oh, non, limite. Ouais, je suis en limite. Bon, bah, bravo. Toi, tu vas prendre le chien, désolé. J'aurais bien voulu la garder, ma... Ma bravoure. Ma limite. What? Bah, j'ai bien fait de... Bon bah tiens, je me guérir un peu, ouais. Du coup. Plus de 100. 349. Non, tu fais mal, toi, enfoiré. Il tire deux fois par tour, l'enculé. Allez, du feu. Tu crains le feu? Ah, vache, lui, il aurait été difficile. Tadam. 38, c'est tout? Fous de ma gueule avec le gros là. 80 gilles, ouais, d'accord. Bon, on a fait le tour là. Ah bah non, du coup, c'est peut être lui sûrement. Le Don, il est par là. Cloud! Cloud! Tifa? Non, c'est moi là qui parle, putain, merde. Enfin, c'est Cloud. Tifa, ça va? Bien sûr! Si tu ne te prends pas au sérieux, tu vas le payer très cher. Ah, c'est une me. Pourquoi me? D'accord. Bon, bah on va chercher Iris. Iris. Oh, viens, viens, ne sois pas timide. Oui, oui. Mais Don, j'aimerais que tu m'expliques quelque chose avant. Mais bien sûr. Mais bien sûr, ton cher. Je vais tout expliquer étape par étape. Allez, viens. Qu'est-ce que ça fait putain de mal à la gorge de faire cette voix? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Non, arrête! Attends, juste une seconde. Bien, bien. Oh, je ne sais pas dans le plus longtemps, mal à papa. Cloud! Bien. Ah, fail. Oh, mon Dieu, qui va là? Je m'excuse, Don. Comprendre quoi? Tais-toi, c'est nous qui posons la question maintenant. Qu'ont trouvé tes assistants? Parle, si tu ne le dis pas. Je les réduirai en miettes. Oh, ça fait du bien de reprendre sa voix. Non, non, pas ça. Je vais parler, je vais tout dire. Alors parle!
Je les ai aidés à trouver l'endroit où était l'homme avec le canon gravé sur le bras. Mais j'avais reçu l'ordre de le faire. Par qui? Non, si je te le révèle, je vais payer de ma vie. Parle, si tu ne le dis pas. Je les hacherai menu. Wouah! C'était Heidegger de la Shinra. Heidegger, le chef du maintien de l'ordre public. Le chef du maintien de l'ordre public? Tu as dit la Shinra? Que s'est-il passé? Parle! Si tu ne le dis pas. Même pas au hasard. Je les écraserai! Tu es sérieux? N'est-ce pas? Oh là là, oh là là! Je ne suis pas là pour rien, tu sais. La Chine a essayé d'écraser un groupe de rebelles appelé Avalanche. Ils ont infiltré leur cachette. Et ils vont vraiment les écraser au sens propre du terme. Ouf. En brisant le support qui maintient le plateau au-dessus d'eux. En brisant le support? Attends, mais moi qui ai fini de parler, j'en peux plus, moi! Vous savez ce qui va se passer? Le plateau va s'effondrer et tout va sauter. J'ai entendu dire que la cachette se trouvait dans les tonnies du secteur 7. Ça me fait plaisir que je ne sois pas dans le secteur 6. Ils vont détruire les tonnies du secteur 7? Cloud, m'accompagnes-tu dans le secteur 7? Bah, évidemment. Bien sûr, Tifa. Attends, logique. Bon, je vais te parler un peu, ça me fait un peu chier, mais... Je peux pas te parler. Une seconde. Tais-toi. Attendez. Il n'y a que pas une seconde. Que croyez-vous que des rebelles comme moi peuvent éprouver quand ils disent la vérité? Ils vont sûrement aussi. Ils vont sûrement gagner, ils ne savent vraiment pas ce qui va se passer. Ça fait longtemps qu'ils ne croient plus en la vie. Ils ne savent pas ce qui va vraiment se passer. Ouais. Ah, bâtard. L'enculé. Oh, j'adore cette musique. Elle est magnifique. Comment se passent les préparatifs? Comme sur des roulettes. J'ai confié ça aux Turcs. Président, nous allons vraiment faire ça? Détruire un groupe de quelques membres? Quel est le problème, Reeve? Tu veux partir? Non. Mais tant que le responsable du département du développement urbain, en tant que... Ouais, j'ai participé à la construction et la mise en route de Midgar. C'est la raison pour laquelle? Reeve, tu ferais mieux d'oublier tes problèmes personnels et de ce pas. Le maire est contre de toute façon. Il reste assis dans le bâtiment toute la journée, je sais pas, j'ai pas tout lu, j'appuie trop. Si tu veux bien m'excuser. Bon, vous mettrez pause hein, sur ce, j'ai oublié de j'appuie trop vite. Tu es fatigué, pourquoi ne prendras-tu pas quelques jours de vacances? Il va falloir que je me rappelle de toutes les voix que je suis en train de faire, c'est hyper tendu. Bon bah vous aurez des voix différentes à chaque fois, hein, je suis désolé. Nous allons détruire le secteur 7 et accuser Avalanche ensuite. Ensuite, nous enverrons une équipe au secours de la Shinra. C'est parfait. D'accord, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Tu vas bien? Voyons, c'est terrible. Tu vas bien? Tu vas bien? Ouais. Eh ben, le pire est passé. Peut-être pas. What? Oh, oh là là. Ouais, quand je dis en fait, on m'a dit que je faisais trop des watts tout le temps. Donc on va faire des... Oh là là, à chaque fois... Oh, on commence... Oui! Je sais pas ce que ça fait, mais oui! Bon bah on va faire électricité, ce qui me paraît très logique. Coup vif. 107. Oh quand même. C'est bien.
éclair. Je le sens bien. D'accord. Bon bah on va attaquer normal. On va tenter la glace. Tsunami enfoiré. Alors là j'ai super mal géré mes équipes. Raté, oh cool. Materia, la vache. Je vais changer ça juste après. Ah merde, j'ai oublié de faire de la magie. Oh là là. Donc oui, je disais que à chaque fois que je suis un Watt, j'ai essayé de le remplacer par oh là là au maximum. Wouah. Bon bah déjà bravoure, putain. Et toi aussi. Vent guérisseur. Oh cool. Vent guérisseur sur tout le monde. Ah ça c'est bon ça. Aeris, ce sera la heal. Succès verrouillé, déverrouillé. Synchronisé avec le serveur. Oh oui, Aeris, GG. Oh la vache. Cloud, tu vas me faire du feu du coup. Je pense pas que ce soit efficace, mais. Ah c'est plus efficace que l'éclair. C'est un mec qui vit dans l'eau. Donc il est base pour eux. Et qu'est-ce qu'il me reste? Bah rien. Bon bah on va refaire un coup de feu hein. Tifa en max limite encore déjà la vache. Oh, oh là là. Comment elle est fort. Limite. Oh. Oh non j'ai fait. Oh la chance. Ta-da-da-da. 240. Personne prend le level mais Tifa y est presque. Waouh. Que de phoenix. C'est plus beaucoup de sous hein. C'est trop tard. C'est trop tard. Marlène, Barrette, les gens lui ont dit. N'abandonnez pas, ne perds jamais espoir. Ce n'est pas facile de détruire le pilier, n'est-ce pas? Ouais, tu as raison. Nous avons encore le temps. Ah, cool. Bon, faut que je... Allez, grimpe. Comment on va de l'autre côté? Ah, il y a peut-être une échelle, en fait, là. Ah, bah non. Il y a des marches, là. Ah, j'ai oublié, chier. Bon, on va voir ce que ça donne. Allez, tout le monde va attaquer. Ah, vache, elles attaquent fort. 46. 41, ça fait 87. 94, 104. Oh la vache. Bon, on va faire du feu, on va essayer dans l'ordre. Le feu 108, c'est pas mal. 150 quasiment. Ouais, 170 PV, 160 PV. Oh non, j'ai fait quoi encore comme bêtise? Ah, c'est déplacé. Allez, glace. Fusil aquatique. Oh la vache, comment on prend cher. Normalement, là, il devrait être bon, là. Même pas. Ah, deux. Non, faut sur le clic, peut-être. J'ai pas vu combien il a fait. Il a mis une misère quand même. Bon, on a tous pris bien bien cher. 90 level up pour tout le monde sauf moi. On prend la popo. Hop. Pardon, je suis en train de me servir à boire en même temps. Oui, parce que je n'aime pas avoir un verre vide. Ah, on va le faire directement là. Materia sur Cloud. On va enlever...
Restaurer. Ok, on va lui enlever complètement. Tu vas garder glace, tu enlèves glace. Ok. Ah, limite, Cloud, tu vas prendre tout. Je sais pas à quoi ça sert. Mais tu vas la prendre. Pendant ce temps-là, petit Iris va s'équiper de la materia restaurée. Et Tifa, tu auras la materia glace. Tu perds de la force, tu perds des HP, mais tu gagnes de la magie. Ok. Bon, eh ben écoute, je sais pas, je... Alors bon, normalement l'épisode devrait être fini, le nonobstant. Nonobstant, disais-je, j'ai pas trouvé de point de sauvegarde. Donc on va commencer par trouver le point de sauvegarde. Ah oui. Oh. Oh. Voler. Oh, cool. Oh. Materia Tifa. Tiens, tu vas la prendre. Voler. Ouais. Bah, si on le sautait, de toute façon, j'ai pas l'impression que je puisse aller ailleurs. Quelle heure il est? 17h25. Bon, on a dit que la magie éclair. Oh, cool! Donc, j'ai pas besoin de guérir pour l'instant. Donc, tu vas attaquer normalement. Et on va voler. Tiens, tu vas voler, ma cocotte. Allez! Oui, j'ai horriblement mal à la gorge, je me suis tué la gorge tout à l'heure. J'ai volé quoi? Hyper, oh cool! Feu. Pas besoin de restaurer pour l'instant. Non, tu restaures pas. Tiens, toi tu voles. Ah, j'ai reçu un... Un snapshot, d'accord. Un, waouh! C'est super efficace! Non, il est pas mort. Il s'est pas pris déjà sans tout à l'heure. Bon, allez, je vais regarder. Je sais pas ce que je peux voler. Rien à voler. Rien à voler. D'accord. J'ai pas fait gaffe tout à l'heure, c'est pour ça. Euh, 83. Level up, Camille. Cloud. Camille, l'habitude de jouer, Camille. Y a rien par là. Par où je peux aller? Là, voilà. Bah là, je peux. Ah, y'a quoi? Est-ce que je peux aller dans le trou? Non. Oh, j'ai eu peur, un combat. Oh, oh oui. Une sauvegarde. Et un truc là où je sais pas. Iris, c'est moi qui t'ai mêlé à toute cette histoire. Ne me demande pas de rentrer à la maison. Si on dépasse les rames qui sont éclairées, on pourra sortir d'ici. Point d'enregistrement. Oui, j'attendais que ça fasse. Quitter. Enregistrer. Ouh là là là, malheur, 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 j'ai failli. Alors, sauvegarde 1. Oui, sauvegarde 1, disais-je. Oui. 3h19. Eh ben, on a joué 40 minutes quasiment. 30 minutes quasiment. Mais qui s'est compté. Hop, ok. Bah moi je donne rendez-vous pour l'épisode suivant du coup. Voilà l'épisode de... On était au 7 je crois, donc l'épisode 8.